on a des colons qui vivent en Nouvelle-France. Le plan de rattrapage proposé par le ministre de l'Éducation, Bernard Drainville, prendra son envol dès le 29 janvier dans les 23 établissements du Centre de services scolaires des Laurentides. Les parents des élèves concernés par les mesures de rattrapage recevront l'information au début de la semaine prochaine. En moyenne, sur un total de 150, entre 30 et 50 élèves seront touchés par ces mesures. Le CSS des Laurentides estime avoir assez de ressources pour répondre à la demande selon les différents plans d'action qui lui ont été transmis par les équipes écoles jusqu'à maintenant. Le plan qui nous est proposé nous permet de mettre de l'intensification de mesures là, jusqu'à la fin de l'année et probablement en début d'année prochaine également pour récupérer effectivement les journées manquées. Les écoles ont surtout choisi de mettre en place des mesures pendant les heures de classe, donc qui n'impliqueront pas que les parents doivent soit favoriser le service de garde ou un transport après ou avant les heures de classe. Ce qui a vraiment été favorisé, c'est de l'intensif, mais pendant les heures de classe, principalement ce que j'ai vu jusqu'à présent.